Les membres de la GCI d'Assa 41 Colline célèbrent 10 ans d'anniversaire d'existence. Un long pacte d'amitié avec la communauté a sorti de prouesses. Des défis ont été relevés pour le développement de la cité. Un jubilé d'été parrainé par le directeur des sports des collines, Olusegun Adinda. Membre et directeur de la GCI d'Assa 41 Colline se sentent fiers du parcours fait. Être directeur pour la fête des 10 ans d'une organisation n'arrive qu'une seule fois. Je voudrais, à cette occasion, témoigner ma reconnaissance au présent aux membres de mon équipe projet qui m'ont accompagné tout au long de ce processus et sans qui ce projet n'aurait pas été pareil. Cher parrain Olusegun Adinda, directeur départemental des sports, merci à vous pour avoir accepté d'associer une fois encore votre nom à cette fête. Il y a 10 ans, nous étions en bas. Et donc 10 ans après, nous sommes venus en haut. Cela témoigne naturellement que la jeune chambre d'Assa 41 Colline est en train de grandir. Et la jeune chambre d'Assa 41 Colline ne peut pas grandir sans vous. C'est pourquoi je vous prie de continuer par soutenir ces jeunes qui n'ont qu'une seule ambition, c'est le développement de leur localité. D'une simple volonté d'impacter la communauté de quelques membres. Aujourd'hui, nous en sommes à la célébration de plusieurs années d'impact. Je voudrais saluer les pionniers de cette action, puisqu'il n'est pas facile de tracer le chemin. Cet anniversaire, qui a connu la présence des autorités communales et départementales, a été une réussite. Chants et pas de danse, l'ambiance était infectée de joie. J'ai dit merci parce que, effectivement, votre organisation, c'est une organisation qui sème l'amour, l'amitié. Votre organisation est une organisation qui entretient la solidarité. C'est une solidarité davantage agissante. J'ai l'habitude d'appeler quelques membres parmi vous des coopérateurs, c'est-à-dire ce que les fonds appellent plébois, plébois nouvelles. Sur un certain nombre parmi ceux qui ont été cooptés, il y a un changement de comportement. Vous vous impliquez dans le processus de développement local, sans parti pris. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Il y a de cela une semaine, j'ai reçu l'appel de mon frère et ami, le président Akweo. Directeur, tu es là et il est passé. Il dit, écoute, depuis un mois, j'essaie de joindre un potentiel parrain et je n'arrive pas à les joindre. Je voudrais que tu m'accompagnes. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Et je lui ai dit, nous allons relever les défis. Je suis un produit de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Et en tant qu'un ancien fédéré, j'admire l'école de vie qu'est la GCI. J'ai de l'admiration et du respect pour la qualité de ce qui se fait à votre niveau. C'est pour cela que j'ai toujours accompagné vos activités. Je suis là ce matin et je serai toujours là. La décennie qui s'annonce est celle qui appelle les jeunes à relever le défi. Et pour relever le défi, il faut avoir le parcours, il faut avoir la formation. On ne se lève pas pour relever le challenge. On a un parcours. Et la GCI, c'est une école de parcours. Nous allons relever ce défi et j'ai l'intime conviction que d'ici quelques années, cette salle sera très petite pour pouvoir accueillir les célébrations de la 10e. Le défi est grand et nous allons relever cela ensemble. Inch'Allah. GCI encore plus loin. Très loin.
distinction et présentation du trophée reçu par la GCI à la suite du match joué, l'autre moment fort de la soirée festive. Qui est désormais le symbole de la victoire des 10 ans de pacte et d'impact communautaire. Beaucoup d'acquis sont à l'actif de la GCI de sa 41 collines qui débute une nouvelle décennie. Je prie les amis GCI à considérer ce trophée comme notre victoire d'impact pendant les 10 ans. C'est pourquoi, humblement, je demande à tout un chacun de vous, que dis-je, à tout un chacun de nous, d'avoir tout le temps l'esprit JCI. Nous sommes là par ces efforts, ces sacrifices que vous avez faits depuis 2013, que dis-je, 2012, au cours du comité d'extension jusqu'à ce jour, une nouvelle décennie s'ouvre à notre belle organisation, la Jeune Chambre internationale d'Assa 41 Collines. Nous venons de capitaliser 10 ans d'impact dans la communauté, 10 ans de leadership, 10 ans de transformation du monde et 10 ans de formation. Ainsi, depuis sa création, la Jeune Chambre internationale d'Assa 41 Collines a initié et mis en œuvre plusieurs projets d'envergure locale et nationale. 10 ans après, notre organisation a en son sein 5 formateurs stackers, 1 maître de cérémonie certifié, 1 auditeur à l'école Aurore des maîtres de cérémonie. Nous avons eu en 2020 le vice-président national assigné à la région 4, l'ami Abissi Romiade. Et pour dire 10 ans, un engagement considérable dans la communauté. Voilà nos acquis. Voilà l'héritage que nous pouvons capitaliser aujourd'hui et laisser aux générations à venir. La Jeune Chambre est une école formidable. La Jeune Chambre internationale, une école formidable qui ne cesse de faire ses preuves. Cette organisation de la jeunesse s'engage davantage aux côtés des populations pour leur épanouissement.